Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de courrier. Alors, je vais commencer par vous montrer une carte vitrine que Virginie a envoyée pour ma fille, avec les fameux tampons super-héros. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu des ATC. Donc, celle-ci, ça vient de Karine. Alors, c'est la thème manga et c'est la 5 sur 7. Donc, voilà. Donc, là, les ATC, c'est pour un échange. Ensuite, j'ai reçu deux ATC de Stéphanie et Lise, la chaîne Stéphanie et Lise. Alors, une pour la participation à mon concours et une en échange de l'ATC éléphant. Alors, il me semble que tu avais déjà envoyé une ATC pour le concours. Je vais retirer, mais hop, voilà. Ah mince, ah, la perle de pluie s'est décollée. Il va falloir que je la recolle. Donc voilà comment elle. Bon, je vais la recoller. Tac, une gorgeous sirène, elle est très jolie. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu la dernière planche de tampon dont je vous avais parlé. Alors, je vais me servir de la carte de là. Alors, je vous avouerai que je ne m'attendais pas à une petite taille comme ça. Je la voyais un peu plus grande. Mais au final, c'est plutôt sympa. Alors, forêt, vent, balade, champignons, feuilles, pluie, automne, couleur. C'est ce qu'il y a d'inscrit sur ce tampon. Un bon livre, du chocolat chaud et un feu de cheminée. Et ici, parfum et couleur d'automne. Donc vous voyez, là on a une pomme de pin, une cagette avec des citrouilles, le petit renard origami, des glands, le parapluie et une feuille. Donc voilà pour la planche de tampon. Hop. Ensuite, j'ai reçu, alors je ne m'y attendais pas, un courrier de Sylvia. Alors j'ai pas ouvert. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Non, c'est pas l'heure, Léa. Oui, mais après manger, Léa. Alors. On va ouvrir ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Encore été gâté, je crois. Alors, pour ta fille. Ah bah tiens Léa, il y a quelque chose pour toi. Je sais pas ce que c'est, mais tu viendras ouvrir. Alors, on a. Tiens, viens ouvrir. Là, mets-toi à côté. Tiens. C'est ça qui est pour toi. Alors vas-y. Attends, je vais t'aider. Ça s'est bien scotché. Ouais, maman. Oh! Alors voilà, une enveloppe remplie de sucreries. Bon, et bien merci à Sylvia. Tu peux dire merci Sylvia, Léa. Merci Sylvia. Tu partages ton honneur à chacun? Oui. Alors voilà, bon. Léa est très gourmande, donc moi je garde Mars pour moi, d'accord? Oui. Alors, on continue. Merci beaucoup Sylvia. T'en donner aux garçons. Alors, pour moi, il y a des sequins. Sachet de sequins. Ça, c'est framboise. Ensuite, on a. Ah, d'accord, c'est des. C'est plein de petites épingles à linge. Des mini-épingles. Et dessus, elle a fait des embellissements. Ah, c'est sympa. Ah, ben, j'aime bien avec les sequins. Merci. Ah, oh, le scotch il colle bien. Ouais, j'aime beaucoup ceux avec. Alors, je vais mettre à l'endroit. Les sequins. Vu qu'on ne sait pas trop comment s'en servir des fois. C'est une bonne idée. Donc du coup, elle m'a mis
des petites épingles avec des embellissements en bois pour que je fasse la même chose qu'elle. Wow. Alors, une carte comme ceci, je pense que c'est une carte. Ouais. Voilà. Message. Alors, c'est sa participation à mon concours. Alors, elle marque modeste participation. Ça va, Sylvia, c'est déjà trop, hein, puisque j'avais demandé juste une ATC. Donc, je te remercie. D'accord, donc elle dit qu'elle aime travailler les fleurs, qu'elle débute, qu'elle aime un peu tous les styles. Voilà. Donc la carte est bien réalisée. Avec du papier vélum. Moi, je sais pas m'en servir du papier vélum. Ah, bah t'as... Elle m'a mis des papiers. Alors ça, c'est le bloc 15-15 Chavi de chez Action. J'en ai pas pris. Donc ça tombe bien, parce que je trouve le papier très joli. Mais alors, je ne prends pas le papier 15-15. Parce que... Je sais pas l'utiliser. Il est tellement fin en fait que j'arrive pas à l'utiliser. En tout cas, ce papier est magnifique. S'il l'avait fait en 30-30, je l'aurais pris. Ou s'il faisait les papiers un peu plus épais. Purée, ton scotch, il colle bien. Hop, je vais le recoller sur lui-même. Donc des petits papiers. Oh ouais, super. Ça, c'est une happy enveloppe. Alors, elle est super jolie. J'adore les couleurs. Donc, je commence par le milieu. Alors, on enlève les petites pinces. Tac, tac. Ah oui, d'accord, elle ne l'a pas collée, c'est pour ça. Une petite pochette. Qu'est-ce qu'il y a ? Dedans, il y a du masking tape. Voilà. Donc là, on est dans les tons roses. Hop. Donc, un sachet avec des papillons. Je vais refermer. C'est pas bête ton idée de fermer avec des pinces, parce que c'est vrai que on peut pas mettre grand-chose, je trouve, au milieu si on fait pas de soufflé, en fait. Donc là, elle a fermé avec un ruban. Parce que moi, j'en ai fait une aussi pour un envoi. Et c'est vrai que du coup, dedans, je voulais glisser des trucs et j'ai pas pu en mettre beaucoup. Donc au final, ça va être mis sur le côté. Et alors, voici la participation pour le concours. Donc, je ne vous la montre pas. Je vous la montrerai, je pense, ouais, je pense faire une vidéo première semaine d'août pour le résultat du concours. Histoire, parce que j'ai eu des participations qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, donc attendre que de recevoir, quoi. Donc un petit crayon à papier. Oh, c'est chouette, ça. Des post-it, la fée clochette. C'est super joli. Et voilà, donc, pour la participation de Sylvia. Alors attendez que je regarde sur sa Sylvia M. Il n'y a pas l'air d'y avoir de chaîne YouTube, il n'y a pas de Facebook, donc je ne sais pas, il faut que je regarde. Je dois avoir un mail de Sylvia. Si elle a mon adresse, c'est qu'elle m'a envoyé un mail. Donc ben, du coup, je te remercie beaucoup, Sylvia. Je remercie les filles qui m'ont envoyé les ATC pour les échanges. Virginie pour sa carte. Je vous remonte la carte pour un peu plus en détail pour que vous voyez comment elle a fait. En fait, elle a fait une base de cartes. Donc, il y a des éléments en 3D. Là, les personnages sont en 3D. Voilà, elle a collé des petites étoiles dorées. Et après, en fait, elle a fait, donc là vous avez un rebord qui doit faire au moins 1 cm, voire 2 cm, je sais pas. Et elle a fait une vitre rhodoïde, quoi, en rhodoïde. Ici, c'est avec du rhodoïde aussi, comme les cartes un peu pop-up. Donc voilà.
C'est sympa l'idée de cette vitrine. Comme ça, on peut poser la carte. Vous voyez, elle tient toute seule. Tac, ça tient très bien. Hop. C'est sympa pour un anniversaire ou quoi. Vous pouvez poser après sur... Léa va la poser sur sa table de nuit, par exemple, sa carte. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Il va faire chaud encore. Hein. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !